Comment je fus saisi, étranglé des mois par mon propre raffinement. Voici les faits, les circonstances. Je m'ouvrais tout récemment un petit pote à moi, un bon petit médecin dans mon genre, en mieux, Léo Gutmann, de ce goût de plus en plus vivace, prononcé, virulent, que dis-je, absolument despotique qui me venait pour les danseuses. Je lui demandais son avis, qu'allais-je devenir, moi chargé de famille. Je lui avouai toute ma passion ravageuse. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant, Gutmann, tout. Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibré est en ligne. Gutmann, mon ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, tout simplement. Voilà le fond de ma pensée. À partir de la semaine prochaine, Gutmann, après le terme, je ne veux plus travailler que pour les danseuses. Tout pour la danse. Rien que pour la danse. La vie les saisit, pure, les emporte, au moindre élan. Je veux aller me perdre avec elle. Toute la vie, frémissante, onduleuse, Gutmann, elle m'appelle. Je ne suis plus moi-même. Je me rends. Je veux pas qu'on me bascule dans l'infini. À la source de tout, de toutes les ondes, la raison du monde est là. Par ailleurs, périr par la danseuse. Je suis vieux, je vais crever bientôt. Je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser, tendre nuage en arabesque, dans le néant, dans les fontaines du mirage. Je veux périr par la plus belle. Je veux qu'elle souffle sur mon cœur. Il s'arrêtera de battre. Je te promets, fais en sorte, Gutmann, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien calancher, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit. Par une onde, par une belle onde, la plus dansante, la plus émue. Je savais à qui je m'adressais. Léo Gutmann pouvait me comprendre. Confrère de haut parage, Gutmann. Achalandé comme bien peu, quelle relation. Frayant de tout le haut Paris, subtil, cavaleur, optimiste, insinuant, savant. Fin comme l'ambre, connaissant plus de métrite, de vérole, de baronne par le menu, de bismuté et d'acidosique, d'assassinat bien mondain, d'agonie truquée, de faux seins, d'ulcères douteux, de glandes inouïes, que 20 notaires, 5 la cassagne, 18 commissaires de police, 15 confesseurs. Au surplus et par lui-même, du cul comme 36 flics, ce qui ne gâte rien et facilite énormément toute la compréhension des choses. Ah, qu'il me réplique. Ferdinand, te voilà un nouveau vice. Tu veux lutiner les étoiles à ton âge, c'est la pente fatale. Tu n'as pas beaucoup d'argent, comme tu serais plutôt repoussant, considérant ton physique. Je te vois mal parti. Comme tu n'es pas distingué, comme tes livres si grossiers, si sales, te feront sûrement bien du tort, le mieux serait de ne pas les montrer, encore moins que ta figure. Pour commencer, je te présenterai anonyme. Ça ne te fait rien? Ah, je me récriais, mais Gutmann, je suis partisan, je m'en gaffe énormément. Je veux bien, certes, et même je préfère demeurer aux aguets, les entrevoir, ces adorables, abrités par quelques lourds rideaux. Je ne tiens pas du tout à montrer personnellement. Je voudrais seulement observer en très grand secret ces mignonnes à la barre, dans leurs exercices, comme on admire à l'église les objets du culte, de très loin. Tout le monde ne communie pas.